Depuis que je suis en déplacement dans ce foutu pays, j'ai déjà attrapé la moitié de la crève, moi je vous le dis. Je passe mes journées à me moucher et mes nuits à tousser. Quand je pars au boulot, je suis bourré de comprimés. Je ne suis pourtant pas fragile, mais c'est à cause du brouillard. Et même quand il n'y en a pas, il fait tout le temps un froid de canard. Depuis que j'ai quitté mon midi, je me dis que j'ai eu tort. J'ai de plus en plus l'impression de me trouver au pôle Nord, à Dunkerque. Pourtant, il y a du soleil, c'est vrai. Mais le matin, jusque 8 heures, et c'est fini. Après, aussitôt, des nuages inquiétants prennent le relais, voyez comme c'est charmant. À Dunkerque, au mois d'août, on supporte le passe-montagne. C'est vraiment le pays de cocagne. Pour tenir le coup, il faut une sacrée santé. Même mort, je ne veux plus y retourner. Quand on veut pêcher dans le port, y a pas une place à trouver. C'est plein de Belges qui flamenguent et comprennent pas un mot de français. Ils ont chacun 5 ou 6 cannes et veulent pas les serrer pour vous permettre de poser la seule que vous avez. Après cette bonne journée le soir, quand vous reprenez votre voiture, vous la reconnaissez pas tellement elle a changé d'allure. Elle est toute rouge avec ce qui tombe des usines d'à côté. Vous pouvez la frotter tant que vous voulez, ça part jamais. À Dunkerque, quand on veut se payer un peu de distraction, faut aller en Belgique, c'est bien la seule solution. Il y a environ 2 galas par an, et pas avec des vedettes de premier plan. À Dunkerque, faut grouiller pour boire un pot le dimanche soir. À 8 heures, tout ferme place Jean Bar. C'est pas le coin, rêver quand on a envie de se marrer. Même mort, je ne veux plus y retourner. Les 4 jours cyclistes alignent les plus grands coureurs. Mais pour réussir à les voir, c'est un drôle de labeur. Ils quittent la ville dès le premier départ mercredi matin et ne reviennent que samedi soir, toujours par un temps de chien. D'Alphonse, c'est mieux ainsi, car lorsqu'ils sont dans la région, toutes les rues sont barrées, empêchant toute circulation. Il n'y a plus moyen d'aller de Coudekerque à Malo, à moins de passer par Calais. Ah, que c'est rigolo. À Dunkerque, quand on voit des touristes étrangers, c'est jamais pour plus d'une journée, ils ne font passer pour aller de Belgique en Angleterre. Ou vice-versa, faut bien qu'il passe sur notre terre. À Dunkerque, avec la tempête qu'il y a sans arrêt, ma casquette, je fais courir après. Je crois qu'il faut être né dans le pays pour résister. Même mort, je ne veux plus y retourner. Les gens d'ici m'ont dit que le port est beau à visiter. C'est impressionnant quand on voit les grandes grues travailler. Seulement pour y arriver, faut drôlement calculer son coût. Chaque fois que j'y vais, ils sont en grève, y a rien qui bouge du tout. On est autant gâtés pour la question du paysage. Ils sont fiers du beau sable fin des dunes et de la plage. Pour une fois que j'y suis allé, je m'en rappellerai toujours. J'en ai eu plein les yeux, slip et godasse pendant 8 jours. À Dunkerque, tout cela passe malgré tout au second plan. Tellement les gens que l'on rencontre sont charmants, courageux, serviables et souriants. Dans leur jolie ville, ils ont bons commerçants. À Dunkerque.